Bonne journée au Synode. Bonsoir à tous. Merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec nous. Aujourd'hui, Monseigneur d'Agens, archevêque d'Angoulême, membre de l'Académie française et qui est l'un des quatre évêques envoyés par les évêques de France pour participer à ce Synode sur la nouvelle évangélisation. Monseigneur, vous êtes intervenu au Synode ce matin. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi vous avez parlé ? D'abord, j'ai la joie d'être très bien encadré par le président des évêques polonais, l'archevêque de Przemyśl, des latins comme on dit, et de l'autre côté par l'archevêque d'Abuja, qui est le centre du Nigeria, c'est-à-dire là où il y a quelques difficultés. Et tous les deux, j'admire, parlent très bien le français. Moi, je suis heureux de parler aussi l'italien, mais ils parlent très bien le français. Donc d'un côté l'Afrique et de l'autre l'Europe orientale. Alors effectivement, ce matin, j'étais le dernier intervenant de la matinée, mais le premier des Français à intervenir. Oh, j'ai voulu simplement être l'écho de cette femme française qui s'appelait, et d'une certaine manière qui s'appelle toujours, Madeleine Delbrel. Elle a vécu pendant 30 ans à Ivry et elle a pensé, sans l'avoir cherché, les exigences actuelles de l'évangélisation. La première exigence, comme elle le dit, c'est de comprendre que nous vivons des temps nouveaux, nous ne sommes pas les premiers à vivre des temps nouveaux, et que ces temps nouveaux sont des temps difficiles, mais en même temps favorable pour une nouvelle évangélisation. Elle a écrit elle-même sa dernière intervention, c'était pour des normaliens, d'ailleurs 1964, j'aurais pu y être et je n'y étais pas, c'était « milieu athée, circonstances favorables à notre propre conversion ». Et j'ai insisté sur, non pas seulement les effets négatifs de la sécularisation, nous le connaissons, mais sur le fait que le contact avec, aujourd'hui non plus un athéisme militant, mais un scepticisme diffus, des réactions d'incertitude, d'inquiétude devant l'avenir, nous avons à faire face à des questions d'humanité commune. Je les entends à travers les jeunes que je rencontre et qui m'écrivent pour les lettres de confirmation. Pourquoi vivre? Pourquoi ne pas se donner la mort? Pourquoi aimer la vie, même quand elle est très difficile, notamment familialement? Et au nom de quoi lutter pour la dignité de chaque personne humaine, à commencer par les plus fragiles? Et comment aller à la rencontre du Dieu vivant? Voilà des questions d'humanité commune, et il est vrai que nous manquons quelquefois de courage pour partager ces questions, car nous les partageons, elles sont d'humanité commune, et en même temps, non pas pour y apporter des réponses de l'extérieur, mais pour, prenant ces questions à notre compte, manifester la nouveauté, non pas notre réponse, mais la réponse de Dieu qui ne cesse pas de venir chercher et sauver ce qui était perdu. Et le problème, c'est de puiser dans la parole de Dieu, dans l'évangile du Christ, dans la foi catholique, dans les sources mêmes de la vie chrétienne, des raisons, des forces, des énergies nouvelles, pas conquérantes, mais nouvelles, pour faire face, pas pour résister, mais pour faire face aux défis de la nouvelle évangélisation et des défis de la sécularisation en même temps. Mais les diagnostics portés jusque-là ne me semble pas aussi négatif que ici ou là on aurait pu le craindre. À nous de ne pas ajouter à la négativité toujours possible. Monseigneur, qu'est-ce que vous attendez de ce synode pour l'Église et puis peut-être pour vous-même, c'est une expérience? D'abord qu'il soit un réel examen de conscience. Et un examen de conscience qui précisément empêche l'Église de succomber au démon de la peur. Car ce n'est pas un esprit de peur que nous avons reçu, mais un esprit de force, d'amour et de discernement. Ainsi soit-il. Merci beaucoup, Monseigneur. Quant à nous, nous continuons à suivre ce synode jour après jour.